Vous aimez la France ? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Des monts désertiques de l'Aubrac, aux gorges du Tarn, des causses sauvages aux sentiers sinueux des Cévennes, la Lozère dévoile une infinité de trésors. Entre plateaux calcaires et reliefs granitiques, elle fourmille de paysages colorés qui se déploient le long des parcs naturels protégés. Waouh, quel paysage ! C'est magnifique vu d'ici ! La Lozère est un écrin de verdure et de tranquillité qui ressource et inspire. C'est une espèce de quiétude, de sérénité, c'est hyper paisible. Mais c'est aussi une terre de légendes et d'histoires. C'était quelqu'un aussi qui voulait montrer son pouvoir, donc il y avait des richesses, parce que la pièce est très ostentatoire. Et le territoire d'expression de savoir-faire ancestraux. Oh, cette machine ! Alors venez découvrir ces châteaux, ces édifices religieux ou autres palais minéraux. Et avec les amoureux de ce terroir, embarquez pour une balade d'exception en Lozère. Notre voyage commence au sud du département, dans le pays des Causses, où alternent terre d'alpage et luxuriantes forêts. Ces immenses plateaux calcaires sont creusés de profondes vallées. Leurs contours escarpés se dessinent le long des rivières de Lozère. Tombée sous le charme de ces lieux pendant une promenade à VTT, Jean-Philippe a changé de vie pour s'installer définitivement en Lozère avec sa famille. Et aujourd'hui, il a décidé de nous faire partager un de ses coups de cœur découverts presque par hasard, le hameau de la Sablière. Au bord des eaux turquoises du Tarn, il est accueilli par Albin, le maître des lieux. Pff, quel endroit magique. Bah oui. Je te le confie. Allez. Allez. Attention, lui, il sait pas nager. Pour atteindre le hameau, deux solutions. Une longue marche par le haut de la montagne pour les plus courageux, ou la traversée du Tarn, beaucoup plus rapide. Voilà. Allez, je te suis. Voilà, bienvenue en rive gauche. Merci, Albin. Dès les premiers pas à la Sablière, on pénètre dans un autre monde. Une atmosphère à part qu'Albin a souhaité, en réhabilitant cette construction posée sur un piton rocheux à flanc de montagne. C'est incroyable. Donc là, la partie en haut, c'est la Sablière haute. Il y a deux corps de bâtisse. Sablière haute, Sablière basse. Fallait quand même... Fallait y penser, ouais. Fallait y penser, hein. Le vouloir. Je suis stupéfait. À la terrasse. Incroyable. Là, t'as une très belle vue sur le Tarn. Notre frontière naturelle. Notre frontière naturelle, l'Aveyron, Lozère. On est chez nous. Il y a un patrimoine bâti, là, qui est incroyable. Tout en lauze calcaire, c'est... L'histoire, tu la connais ? Là, ouais, on a les traces du bâti au XIe siècle. C'était un lieu d'ermitage des sœurs bénédictines du Rosier qui venaient ici. Et après, donc paysannerie pendant de nombreux siècles, là, j'ai pas trop de traces, et surtout une rénovation haute bourgeoisie début du XIXe. Incroyable. Et du coup, maintenant,
C'est un lieu qui est quoi? Alors, comment on peut le décrire? Un associatif? Alors, c'est complètement associatif. Ça fait 5 ans que l'association a été créée. Là, on a des missions donc, d'éveil environnemental, sociétal et culturel. Fabuleux. Je suis fan. Manifestement, Albin a gagné son pari. Tout ici appelle au partage et à l'échange. 9 petites maisons pour recevoir artistes, agriculteurs et promeneurs curieux qui profitent de la douceur des lieux. Il y a plein de petits endroits. Plein de petits spots un peu isolés. Pour se poser. Waouh. Tu sais ce que je ressens depuis qu'on est ici, là? Non. C'est une espèce de quiétude, de sérénité, c'est hyper paisible. On souhaite reprendre le temps, tout court et prendre le temps aussi de réfléchir. Et justement, sur les réflexions que l'association mène sur son volet sociétal, c'est celui de l'alimentation. Et donc, on est en pleine expérimentation ici sur comment amender une terre pour que dans 3 ans, on puisse effectivement relocaliser notre agriculture et pouvoir se nourrir. Remettre plus de paysans dans le pays. Dans le pays. Parce qu'il y a un pays sans paysans. Ça marche pas. Ouais, je partage ce point de vue. Ça marche pas. Un enjeu important pour le hameau, puisqu'il s'agit de faire renaître les cultures sur les terrasses en friche qui surplombent la sablière. Écoute, à réhabiliter ces bancelles là, c'est... On est vraiment en train, aujourd'hui, on est vraiment au stade expérimental. On sait qu'il nous faut 3 ans pour avoir vraiment un résultat. La patience est un atout majeur pour cultiver à l'ancienne ces terres difficiles d'accès, avec les seules eaux de pluie et sans entretien particulier. Revenir à la source, comprendre le travail des anciens pour mieux appréhender le futur, c'est peut-être aussi ce que Jean-Philippe a en tête en allant rejoindre Hélène à la ferme d'autrefois, sur le Causse-Méjean. C'est magnifique l'endroit. Ça te plaît? Ouais, superbe. Allez, ben viens, je vais te faire faire un petit voyage dans le temps. Effectivement, les bâtiments du 17e, 18e et même 19e siècle sont parfaitement conservés. La ferme est restée intacte. Arrivée sur l'aire d'abattage, on pourrait presque s'attendre à voir un fermier en plein travail. C'est là qu'il dépiquait les céréales pour séparer le grain de la paille. Et tu vois, ici tu as cette fenêtre, ça s'appelle le boussourlet. Il faisait tomber la paille directement par là. Et il y a 5 mètres de hauteur, mais ça leur permettait de faire ça sans trop se fatiguer. Sans trop se fatiguer. Une fois la récolte achevée, le grain était choyé et protégé. Et donc, pour le protéger des rats, à l'extérieur, il y avait des chats. Et à l'intérieur, on utilisait le cépou. Ça? Oui. Pour le protéger des rats? Oui. Mais comment ça fonctionnait alors, du coup? Alors, en fait, tu avais une ficelle qui tenait le couvercle remonté sur la partie haute. Et au bout de cette ficelle, il y avait du fromage. Quand le rongeur venait manger le fromage, il rongeait la ficelle. Et là, tu peux lâcher. Il se retrouvait plat, comme dans les dessins animés des Looney Tunes. Ouais. C'est pas enviable comme sort. Non. Non. Mais les céréales n'étaient pas les seules à mériter les attentions des fermiers de l'époque. À l'heure de la traite, l'agriculteur devenait éleveur et les cloches de ses brebis résonnaient dans tout le Causse-Méjean. Tiens, regarde cette pièce. Voûtée, c'était la bergerie, c'était là où étaient les brebis donc. Ah, je vois les trépieds, les seaux. Voilà. Les mangeoires. Exactement. Et je vois des trous là dans le mur là. Qu'est-ce que c'était ces trous? Ben en fait ces trous c'était les pondoirs pour les poules l'hiver quand il faisait froid pour qu'elles continuent à pondre. Et ben elles pondaient là comme ça elles bénéficiaient de la chaleur des brebis. Alors ça c'est incroyable. Moi si tu m'avais demandé où loger les poules je t'aurais dit là. Et non ça c'est la micro-caravane du berger, ça s'appelle le tuèche et c'est là où ils dormaient la nuit. L'été, quand il fait trop chaud pour que les brebis mangent la journée, elles mangent la nuit et donc le berger, pour pouvoir être près d'elles, dormait là-dedans. Tu veux dire que le berger dormait à l'intérieur? Absolument. Il le mettait sur des parcelles à l'extérieur et il dormait dedans. Mais c'est tout petit. Ah, le Causse-Nard était petit et trapu. Ouais, j'aurais pas pu être berger. Non. En fait, les camping-caristes n'ont rien inventé. Et non, et tu n'es pas au bout de tes surprises. À la fin de l'automne,
on rentrait les brebis et le berger abandonnait les alpages. Il avait alors la possibilité de dormir à la ferme. Un confort sommaire, mais appréciable pour faire face aux rigueurs de l'hiver. Et alors, dis-moi Hélène, ça, ces deux pièces de bois là, c'est assez curieux. C'est... Qu'est-ce que c'est? On a l'impression que c'est des porte-manteaux. Alors, ce n'est pas des porte-manteaux, ce sont des témoins de voûte. Tu peux les faire bouger. Donc, ils bougent, c'est normal. Voilà. Tant que ça bouge, c'est que la voûte est saine. C'est incroyable. Le jour où ils s'arrêtent de bouger, c'est que la voûte s'affaisse, l'encercle et l'empêche de bouger. Tu veux dire que c'est là pour s'assurer de la solidité de la voûte, en fait? Absolument. C'est mis à la construction, donc dans une partie construite au XVIIIe siècle. C'est hyper ingénieux, parce que moi, c'est la première fois que je vois ça. Eh oui, c'est fait pour durer. Sur le cosse, on fait du solide. Ouais, ouais, bah oui, oui, c'est pour ça que les maisons durent aussi longtemps. À la nuit tombée, les propriétaires de l'époque, les patrons comme on les appelait, et les ouvriers agricoles se retrouvaient dans la cuisine, autour de la table familiale. C'est ici qu'on préparait à manger la cheminée, le vaisselier, le potager, l'ancêtre de l'évier ici. On arrive au bon moment en fait alors du coup. Ah. Qu'est-ce qu'on mange alors? Tu as la chance d'être attablé avec le clone de mes arrière-arrière-grands-parents, mais je crois que c'est pas eux qui vont te préparer à manger. Donc viens, j'ai autre chose à te proposer. Alors là, ça je suis d'accord. Je suis pas le dernier pour manger. Ah. Tiens, installe-toi. Ouh, qu'est-ce qu'on a de bon là? En pays cosnard, la gourmandise peut être tout sauf un défaut. Et avec ce plateau de fromage de brebis, Hélène fait de Jean-Philippe un homme heureux. Les meilleurs fromages du Cosmégen sont là, en fait. Tu sais quoi, Hélène? Ça valait vraiment le coup de monter en vélo jusque-là. Ah. Après le ravissement des papilles, c'est avec les yeux que Jean-Philippe va pouvoir profiter d'une autre merveille du Cos. À Ur-la-Parade, il retrouve Dominique pour découvrir l'Avène Armand, un trésor enfoui à plus de 60 mètres de profondeur. Salut Dominique. Salut, ça va? Oh, dis-moi. Attends, rassure-moi là, c'est pas par là que tu veux qu'on descende là? Non, pas du tout. Je voulais qu'on se retrouve ici parce que, en fait, le 19 septembre 1897, un Louis Armand a découvert la grotte par ce puits. D'accord. Mais je te rassure, on va prendre le funiculaire. Ah, ok. Pour y accéder. Ok, je te suis. Une solution rassurante, même si Jean-Philippe avait une autre idée pour la descente. C'est parti. Et t'as pas voulu que je descende en vélo, là? Ah, oh, t'aurais pu le faire, si, ouais. Mais bon... Ah, ça aurait été sympa. Faut connaître l'endroit. Ouais, je comprends bien. Et nous voilà arrivés. Alors, quand je te disais qu'on allait arriver dans un endroit exceptionnel... Waouh. T'as jamais vu ça. Effectivement, la première impression est saisissante. Waouh. Mais ce qui surprend le plus, ce sont les dimensions de cette cavité souterraine. Ouf. Il paraît qu'on peut y loger le premier étage de la Tour Eiffel. Tout à fait, oui. C'est à peu près les proportions d'un stade olympique. Le tour complet de la grotte fait environ 400 mètres. Donc là, c'est le puits qu'on voyait tout à l'heure, où on était à l'entrée. Tout à fait, oui. À l'extérieur, donc, c'est un gros entonnoir. Et ensuite, il y a cette longue cheminée verticale. Donc, c'est un avène, un accès au monde souterrain calcaire, hein, creusé par le passage de l'eau, comme il en existe des centaines sur le Cosmégen. Et alors, les explorateurs, les premiers, sont descendus par là? Effectivement, les premiers explorateurs sont descendus à l'aide d'une échelle de corde attachée à une charrette et des bœufs en surface. Pfff. Le joyau qu'ils y ont découvert était à la hauteur des risques encourus. Les compressions sont incroyables. Oui, on ne se rend pas compte, certaines font entre 20 et 30 mètres de hauteur. C'est immense. Plus on avance, plus ça grandit. En progressant dans ce monde souterrain, l'absence de repères fait perdre les notions habituelles d'espace et de temps. Alors, tu sais, Jean-Philippe, la formation de la cavité date de plus de 4 millions d'années, et tout ceci est dû au travail de l'eau. Ce sont les infiltrations des eaux des pluies qui ont provoqué l'érosion et la dissolution de cette partie de roche calcaire. 4 millions d'années? C'est incroyable comme échelle de temps. Mais du coup, j'imagine qu'il y a plein d'histoires, plein de légendes. Il y a des gens qui ont habité, par exemple, cette grotte? Non. En fait, avant le 19e siècle, les gens ne s'aventuraient pas dans les mondes souterrains par superstition, ils avaient peur.
Pour eux, ces avennes sur l'Écosse, inconnues depuis toujours, jamais explorées, étaient des accès vers l'enfer. En plus, parfois, des gens disparaissaient dans ces endroits. C'est très dangereux, ces avennes. Elles sont des puits verticaux, ça rajoutait du mystère. Ouais, je te quitte pas, je reste avec toi, alors. Sous la surface de la Terre, les interprétations ne manquent pas et l'imagination prend vite le pas sur la raison. On croirait une forêt de sapins, presque. Oui, c'est une véritable forêt de pierre, hein. Les premiers explorateurs l'ont appelée la forêt vierge. C'est vraiment à ça que ça fait penser. Si le charme de ce palais minéral opère, c'est grâce à un très long processus de création. Alors à la veine Armand, les gouttes d'eau tombent de très très haut. Elles explosent littéralement sur la tête de la stalagmite. C'est ça qui donne ce côté. Alors déjà, ça donne cette forme en pile d'assiette, tu vois, ou des troncs d'arbres de palmiers. Ça provoque l'écrasement de la goutte d'eau sur un plan horizontal et dans toutes les directions. Ensuite, il y a des courants d'air à la veine Armand qui dévient les chutes de gouttes d'eau. Et ces gouttes d'eau accentuent leur dépôt sur ces petits rebords d'assiette et ils se prolongent vers le haut comme par magie. Ces courants d'air chauds ascendants favorisent la cristallisation aux extrémités de ces feuilles ainsi formées. Ce genre de concrétion en forme de palmier, comme on appelle, sont très très rares. Elles ne grandissent, elles ne progressent plutôt que de quelques centimètres, quelques millimètres tous les 100 ans. Et alors, il y en a combien là? Parce que les compressions, on en voit partout. En fait, il y a 400 stalagmites à la veine Armand qui font plus d'un mètre et c'est la plus grande concentration au monde. Un record parmi tant d'autres pour cette cavité où règne la démesure. Et du coup, celle-là, elle est gigantesque. Elle est très impressionnante, oui, c'est la plus grande au monde. Elle mesure 30 mètres de hauteur, on ne s'en rend pas compte. 30 mètres. C'est la plus grande stalagmite à ce jour connue dans le monde. Au monde. Oui. D'accord. Ouais. Et c'est en Lozère. Et c'est en Lozère. Voilà. Exceptionnel. Jean-Philippe, récemment installé en Lozère, est tout sauf déçu. On le saurait à moins, tant ces sculptures venues de la nuit des temps sont impressionnantes. D'autant qu'en surface, l'attend une autre merveille. Culinaire cette fois. À Florac, dans l'arrière-boutique de sa boucherie, Florence prépare une saucisse traditionnelle de Lozère. Eh ben, je tombe bien. Ben ouais. J'arrive juste à temps. Voilà. Ah, les fameuses saucisses aux herbes. Saucisses aux herbes. Donne-moi un peu le secret de ces saucisses là. Alors, c'est des blettes, la grande feuille là avec la côte blanche, qu'on fait cuire dans de l'eau. Et puis on la mélange à de la chair à saucisse de porc. Voilà, tout simplement. Et une petite astuce pour qu'elle soit plus souple, on fait blanchir de la peau de cochon, la couenne du cochon, on la fait blanchir et on la hache dedans. Donc ça fait une saucisse nettement plus souple. Un bon produit est toujours gage de réussite, à condition d'avoir la bonne recette. À Bédouac, Jean-Philippe va rejoindre Pierrette sur la terrasse de son restaurant. La Lozérette, l'endroit parfait pour cuisiner le précieux butin. Mais tu vois, tu arrives à point, la table est mise. Ah, je vois que tu m'attendais. Voilà. Alors raconte-moi un peu là, ces saucisses, parce que tu sais que je ne suis pas originaire du coin, moi. Du coup, j'ai déjà goûté ça, ces saucisses aux herbes là. Raconte-moi, c'est quoi l'histoire? Alors, la saucisse d'herbe, c'est une des charcuteries que l'on fabrique lorsqu'on tue le cochon. Parce qu'il était deux traditions de tuer le cochon, c'était une alimentation pour toute l'année. Et donc, elle est aux blettes, les blettes qui sont un légume d'hiver. D'accord. Jean-Philippe retrouve ensuite Thibault, le jeune chef de la Lozérette, qui a déjà préparé un bouillon de bœuf dont il a le secret. Des herbes aromatiques locales, ainsi que les fameux oignons doux des Cévennes. Donc Jean-Philippe, je te laisse mettre les saucisses dans l'eau. D'accord, je les mets toutes. Tu mets toutes okay. Les saucisses dans l'eau pour les cuire. Ça marche. Je les mets dans l'eau. Ok. Et voilà, c'est parti pour 10-12 minutes de cuisson. Alors après? On va prendre les oignons, on va les émincer. D'accord. Finement. Comme ça, comme ceci là. On va faire rissoler ça dans l'huile d'olive. D'accord. Les saucisses sont cuites, hein. Ok. Et on va les sortir pour après les trancher. Regarde comme elles sont belles, ces saucisses. Ça donne déjà envie. Tu
peux me couper les saucisses et après on va les incorporer dans les oignons. Un peu plus gros, Jean-Philippe. Ah. Un bon centimètre et demi. J'ai pas ton expérience. C'est pas mal, c'est pas mal. Généreux, comme la Lozère. Tout à fait. Voilà, et on va les mettre avec les oignons. Tout à fait. Hop, voilà, c'est parti. Bon, et là, je rajoute le laurier, alors. Tout à fait. On ajoute le thym, le jus de bœuf, avant de laisser mijoter 10 petites minutes pour que cette charcuterie traditionnelle laisse apparaître une fricassée gastronomique. Ça sentait déjà bon tout à l'heure, mais alors là... je sais pas si c'est mon talent de commis ou plutôt le talent de ton chef cuistot, hein, Thibaut, parce que là, pour le coup, c'est vraiment délicieux. Tu sens la blette ? Très parfumée. Maintenant, je vais pouvoir partager cette recette chez moi. Un grand merci. Comme Jean-Philippe, vous tomberez sous le charme de cette partie de la Lozère dont rien ne laisse indifférent. En altitude sur les monts d'Aubrac, on respire fort et bien. La beauté sauvage de ces paysages montagnards en font un lieu à part qui a définitivement conquis Cécile. Maître de conférences en agronomie à Nancy, elle est venue s'installer en Aubrac pour revivre ses souvenirs de vacances d'enfance. Oui, oui. Oh, ça fait du bien. Agricultrice et productrice de thé, Cécile continue d'arpenter cette Lozère chargée d'histoire. Et aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Marie-Philippe. J'arrive ! C'est magnifique ici, mais alors pourquoi avoir choisi cet endroit ? Parce qu'aujourd'hui, il fait particulièrement froid. Je suis ravie de t'accueillir ici parce que c'est vraiment le cœur du plateau de l'Aubrac, un lieu très emblématique, à la fois parce que nous sommes sur le chemin de Saint-Jacques, le GR65, et puis qu'il y a cette belle croix sur un très vieux pont qui est sur le Besse, notre rivière un peu fétiche qui traverse tout le territoire. Jusqu'à l'an 1000, ce chemin de Compostelle traversait des forêts de hêtres et de sapins. Voulant protéger les pèlerins des brigands, des moines ont coupé les arbres, donnant au mont d'Aubrac son aspect actuel. Depuis, les Lozériens ont trouvé un autre partenaire de choix pour entretenir le paysage, des bêtes à cornes particulièrement gourmandes. Là, on a une race rustique qui, grâce à sa capacité à manger une herbe un peu rude, hein, un peu une herbe difficile, permet d'avoir des paysages aussi jolis et aussi ouverts qu'on a là. C'est aussi une race qui a été, si j'ose dire, pratiquement ressuscitée, parce qu'il y a 50 ans, elle avait presque totalement disparu. Et maintenant, c'est une race qui a une vraie importance, dont la viande est unanimement reconnue, qui est exportée. Ah, donc oui. C'est une race qui a un rôle identitaire, finalement, pratiquement important sur notre plateau. Ah, tout à fait. En Aubrac, il y a en effet plus de têtes à cornes que d'habitants. Nous sommes 4 habitants kilomètre carré. Et donc, pour communiquer entre ces villages très dispersés, il y avait des chemins comme celui-ci. Alors là, moi, je trouve ça toujours très agréable de marcher entre des jolis murets de pierre et à l'ombre des frênes comme ça, c'est quand même le mieux. C'était très facile. Les champs étaient pleins de pierres, donc on dépierrait. On construisait des petits murs. On plantait avec des frênes qui étaient un complément alimentaire pour les vaches. Et puis, on allait se rendre des visites. Et de ce fait, il y a un réseau absolument extraordinaire de chemins sur toute la surface du Lozérac qui permettent de découvrir une variété de paysages incroyables. Nous sommes donc bien au paradis des randonneurs. Mais pour apprécier les monts d'Aubrac, la marche n'est pas le seul moyen de découvrir ce coin de Lozère. Avec Laurent, un moniteur d'équitation, c'est sous un autre angle que Cécile va admirer ces territoires autrefois destinés à l'alpage. Situés en altitude, les anciennes habitations de bergers, qu'on appelle des burons, ponctuent la balade.
moi j'aurais aimé vivre à l'époque des buronniers. Toi, t'aurais aimé rester là du mois de mai au mois d'octobre, un peu isolé là, faire le fromage. Ah oui, moi, traire les vaches à la main, transformer le lait, faire le fromage, ça m'aurait plu. Il y a des moments où il devait faire un peu froid. Ah oui, ça devait pas être toujours facile, oui. Vestige de cette activité, les burons incarnent encore l'authenticité de l'Aubrac. Puis le soleil se couche sur la montagne, les ombres s'allongent, la lune se dessine dans le ciel et toutes sortes de légendes ressurgissent. Présent depuis toujours sur les terres du Gévaudan, le loup fascine autant qu'il effraie. Talc ! Hutz ! C'est au parc aux loups de Sainte-Lucie que Cécile va retrouver Audrey et approcher l'animal comme jamais elle ne l'aurait imaginé. Bonjour. Bonjour, je t'attendais. Je t'ai préparé ça. Ah, c'est pour moi, ça c'est gentil, mais d'habitude pour mon pique-nique, moi je préfère la viande de cuite. On va la garder pour les loups alors. On y va. De véritables friandises qui permettront de voir de plus près les nombreux spécimens du plus grand parc d'Europe consacré aux loups. Donc au total, actuellement, on en a 91 de différentes origines, puisqu'on va présenter des loups d'Europe, Pologne, loups de Canada, Mongolie ou Sibérie. Et tous ces loups-là, donc vous restez toujours en captivité ? Oui, ils sont nés en captivité et vont vivre toute une vie de captivité. Et alors, finalement, tous ces loups en captivité, là, ils vous servent à quoi ? En fait, on passe pas mal de temps à les observer, à les étudier. Ça apporte beaucoup d'informations au niveau de tout ce qui est comportement au sein de la meute, tout ce qui est communication. Et bien moi, j'ai bien envie d'aller les voir de plus près. Mais c'est en gardant la bonne distance que Cécile va faire la connaissance de trois magnifiques loups canadiens. Ouais, alors là, avec ce pelage, ces yeux jaunes au milieu, là, ils sont impressionnants. On se croirait presque revenu au temps de la bête du Gévaudan. Au XVIIIe siècle, une mystérieuse créature fait des ravages chez les gardiens de troupeaux. Une série de drames inexpliqués qui donne naissance à la fameuse légende noire des vallées de Lozère. Il y a 250 ans, au moment des faits, du loup, il y en avait partout. C'est l'animal tout ce qu'il y a de plus commun, même titre que le renard maintenant. À cette époque-là, si on était capable de laisser des enfants ou des jeunes femmes garder des troupeaux tout seuls, ils avaient quand même compris qu'il n'y avait pas un réel danger de la part de cette espèce-là. Et puis, il y a aussi des victimes qui n'ont pas été tuées, mais qui ont été blessées. Et eux-mêmes n'ont jamais parlé de loup, mais de bêtes. Ils ne savaient pas vraiment à quoi ils avaient affaire. Or, ils ne connaissaient le loup à l'époque. Donc alors, en fait, autour de l'histoire vraie, il y a eu un fantasme, et on a souvent parlé de la bête, justement. Oui, exactement. Et pas du loup. Pas du loup. Pour Audrey, il n'y a aucun doute, le loup est hors de cause. Pour autant, cette triste histoire a la dent dure et contribue toujours à la mauvaise réputation du loup. Alors là, ce que je te propose, c'est quelque chose d'un petit peu exceptionnel. On va aller dans un enclos. Vraiment ? T'es oui, on va vraiment rentrer. Et ça risque rien. Enfin, là, on va passer non, les grilles. Non, t'inquiète pas, ils sont très sympas. Par contre, si tu veux les garder à côté de toi, ne pas faire de gestes brusques, des choses d'accord. Comme ça. Là, c'est notre meute la plus familière, la plus proche de nous. Donc, ils n'ont pas été élevés au biberon, ils ne sont pas imprégnés, ils sont juste habitués. Et là, on a dans la meute, là, on a le couple reproducteur, enfin dominant. Comment ça se passe ? Oui, une meute, c'est une famille, hein, par définition. Et tu as un couple qui va diriger, gérer cette meute. La plupart du temps, c'est le couple fondateur de la meute. Tout bêtement, ce sont les parents. Ce que tu donnes là, c'est un repas ou c'est... Non, ce sont des friandises. On appelle ça des amuse-gueules. On va les distribuer pendant les animations, les visites guidées, les choses comme ça. Des petits cubes de viande. Donc là, c'est du bœuf. Jaspe, tiens, Titi. Et après, il y a un repas plus conséquent. En fait, on les nourrit trois fois par semaine à l'aide de viande qu'on récupère dans les abattoirs, des environs. Et là, la distance qu'ils ont par rapport à nous, c'est parce qu'ils te connaissent ? Oui, ils nous connaissent. En fait, ils ont une mémoire visuelle, factive, auditive, donc ils réagissent à notre voix dès qu'ils nous repèrent. C'est bien la première fois que je m'approche d'aussi près pour voir des loups. Une expérience que Cécile n'est pas prête d'oublier. Après de telles émotions, il est temps de s'offrir une douce parenthèse. Au pied du Maï Bio, le point culminant de l'Aubrac.
l'époque, Cécile rêve d'un bon thé avec son amie Lauriane, occupée pour le moment à sa récolte. T'as un joli pied là, ça a bien poussé cette année. Il est beau ? Oui, il est joli, suivant qu'on est quand même à 1400 mètres d'altitude, je suis assez contente de la production. Ouais. Seulement quelques kilos de cette précieuse Calaminta grandiflora sont produits chaque année. Plus connu sous le nom de thé d'Aubrac, les anciens disent qu'il possède de véritables qualités digestives et diurétiques. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y en a à l'état sauvage juste en bas, là, dans la montagne, et il est beaucoup moins développé, beaucoup moins joli, et il a fini de fleurir. Le fait de mettre la plante toute seule, de la chouchouter un peu, et bien d'un seul coup, elle produit plus. C'est ça qui est intéressant, et elle grossit. Pour ces deux agricultrices passionnées, cultiver le thé d'Aubrac est bien une façon de protéger l'espèce. Mais avant la dégustation, il y a encore quelques étapes à franchir. Et il feuille comme il faut, parce que là, si tu laisses des tiges... Oh, oui, c'est vrai, t'as raison, ça va pas aller. Bon, quand même, les feuillages, c'est toujours utile. Hein. Il y a l'aspect, et puis après, quand on voit le thé d'Aubrac qu'à la tige, quand on le déguste, il est quand même beaucoup plus amer. Donc, c'est vrai que, ben voilà. Au niveau du goût, c'est mieux. Il faut un peu de patience, comme les haricots verts. Oui, c'est vrai, mais on passe quand même de quelques bons moments à effeuiller avec les copains, avec la famille. Les deux amies séparent minutieusement le bon du moins bon pour ne garder que l'essentiel. Je pense qu'on va pouvoir le mettre sur la clé à sécher. Allez, hop, merci. Hop, pour l'étaler un petit peu. Ouais. Là, il va sécher combien de temps, là, ici, à peu près ? Bon, je vais le laisser 3-4 jours à l'air ambiant, là. Et puis, ensuite, je vais l'apporter à la grange au thé pour qu'il soit transformé. En Aubrac, comme ailleurs, après l'effort vient le temps du réconfort. Et le moment est idéal. Les joies éclatent, t'as sorti le grand jeu, la nappe, le petit bouquet de fleurs, on est bien devant le bureau. En plus, on a les vaches qui vont bientôt venir boire un coup avec nous, on est bien. Ouais, c'est vrai qu'elles aiment bien nous tenir compagnie. Écoute, hein, je te propose une petite dégustation de thé glacé de l'Aubrac. Merci, Chine. En réalité, Lauriane a surtout hâte de révéler sa dernière création, un gâteau au thé d'Aubrac. Qu'est-ce que t'en penses, hein ? Mais on retrouve bien les arômes du thé d'Aubrac, hein, puisqu'on a, je trouve, on a le menthol, ça sort tout de suite, ça. Oui, c'est vrai. Le côté un peu citronné et puis un peu fleuri. Moi, je trouve ça fabuleux, quoi. Mais il est temps pour Cécile de quitter l'ambiance bucolique de ses pâturages pour aller pousser la grille d'une insolite demeure seigneuriale. Dressée sur les terres de la puissante baronnie des Pères, à 1300 mètres d'altitude, cette bâtisse, édifiée au XVIIe siècle, fait aujourd'hui la fierté des Lascaz. Cécile retrouve Paul, l'un des descendants de cette grande famille, propriétaire des lieux depuis 150 ans. Bon, bienvenue au château de la Baume. Merci, c'est très beau. Et ça, là, c'est les armoiries de la famille ? Alors ça, ce sont les armoiries de la famille qui a fait construire le château. Il s'appelait les Grolets, d'où au-dessus « Je suis Grolet ». Et en dessous, tu as écrit « Assai, avanza, assi fortuna passa ». En passant par ici, tu trouveras la fortune. Je te propose qu'on teste notre chance. Allez. Pourtant, loin d'être fortuné, Antoine de Grolet construit la première partie de ce château avec très peu de moyens. Alors là, tu es vraiment au cœur du château de la Baume. Avec ces deux parties, une Louis XIII, l'autre Louis XIV. Ah bon ? C'est sous le règne du roi Soleil que César, le fils d'Antoine, va faire fortune et donner au château sa dimension et son aspect actuel. À l'apparence austère, cette demeure d'altitude, construite en lauze et en granit, recèle pourtant bien des trésors. Waouh, elle est impressionnante cette pièce. Il devait se passer des choses importantes ici. En fait, c'était la pièce à vivre. Donc c'est là où Antoine de Grolet, le seigneur des lieux, recevait les hommages de ses vassaux. D'ailleurs, pour te montrer le côté institutionnel de la pièce, là sur la cheminée, tu as de nouveau le gironnet des Grolets, leur armoirie. Et ça, c'est quoi ça ? C'est impressionnant, une botte de géant, non ? Qu'est-ce que c'est ?
Ça, en fait, c'est la botte de sept lieues. Plus sérieusement, tous les sept lieues, tu avais des relais de poste et du coup, les postiers fonçaient à travers les bois et pour se protéger des branches, ils mettaient cette sur-botte. Et là, il y a deux queues de billard, là. Qu'est-ce que c'est, celle-là? Alors là, tu as une queue de billard contemporaine et là, tu en as une autre. Tu penses qu'on s'en sert comment? Je sais pas, comme ça, là? Exactement. Voilà, donc ça, c'était la manière dont on y jouait sous Louis XIII. D'accord. Les invités prestigieux se pressaient volontiers dans ce château de 80 pièces que l'on surnommait le Versailles du Gévaudan. Dans cette luxueuse demeure, César recevait la noblesse locale et gérait ses affaires de main de maître. Alors là, Cécile, tu es vraiment au centre du pouvoir des Grolets, le bureau de César. D'ailleurs, assieds-toi derrière, tu vas voir. Là, on n'est plus en Lozère. Ah non, là, tu es totalement en Italie. Tu as des peintures qui sont apportées d'Italie. Tu as même là un lustre de Murano. César était un vrai mécène. Devenu bailli du Gévaudan avant d'être lieutenant général du roi pour le Languedoc, César était un homme riche et puissant, par lequel passaient de très nombreux documents. De précieux témoignages sont conservés derrière une lourde porte métallique dans la salle des archives. Alors, en fait, un château, ce n'est pas qu'une demeure, c'est aussi un centre administratif. Donc, dans cette pièce, tu as là, par exemple, des actes administratifs ou encore des courriers. Courriers, procès. Courriers, procès, etc. Voilà, tout est d'époque et même, j'ai envie de te dire, des papiers datent d'avant la construction du château car ils ont récupéré les archives de la baronnie qu'ils ont ensuite triées selon les différentes paroisses de la baronnie, tu vois, tout autour de toi. Dans des sacs aussi, ça se range ? En fait, quand on terminait un procès à l'époque, on rassemblait l'ensemble des actes juridiques dans un sac, d'où l'expression « l'affaire est dans le sac ». Délaissé pendant la Révolution et l'Empire, le château de la Baume est passé aux mains des Lascaz. Et pour lui montrer comment, Paul a réservé à Cécile une surprise. Alors là, tu vois, Cécile, tu es dans ce qu'on appelle le couloir Lascaz. Tout autour de toi, tu as les portraits des ancêtres, de ma famille, et alors, il faut que je te raconte, le premier Lascaz qui est arrivé en Lozère, c'était il y a 150 ans. Il s'appelait Emmanuel de Lascaz. Il est tombé fou amoureux de ce département, de ce château, et c'était un personnage assez haut en couleur parce que, comme tu peux le voir, il s'est fait représenter en habit de chevalier. C'est mon arrière-arrière-grand-père qui, pourtant, était sénateur de la Troisième République. C'est ainsi qu'Emmanuel de Lascaz a fait de ce château un trésor familial. C'est entre le pays mandois et les reliefs de la Margeride que notre voyage se poursuit. Mende s'étend dans la vallée du Lot. La cité a été construite au IIIe siècle et s'est développée sur les reliques de Saint Privat, un ermite qui vivait à proximité, sur les hauteurs du mont Mima. Mandoise depuis toujours, Hélène, bibliothécaire à la retraite, est amoureuse de l'histoire de sa ville. C'est sur le vieux pont Notre-Dame qu'elle retrouve Alexandre, un guide de la cité lozérienne. T'es prête pour cette balade mandoise ? Eh bien, allez ! Allez, parti ! On y va ! Carrefour commercial entre le Languedoc et l'Auvergne depuis le Moyen-Âge, le centre-ville de Mende garde les traces d'un prestige d'antan tout au long de ses ruelles bordées de belles demeures. Oh là là, cette porte, moi, je l'avais jamais vue. Belle porte, hein, du 18e siècle. Et certains lieux, surtout connus des initiés, méritent le détour. Alors, Hélène ? Waouh ! Viens voir, je te présente l'ancienne pharmacie de l'hôpital. C'est magnifique. Le lieu idéal pour préparer, comme Hélène, le remède de votre choix dans l'apothicairerie de l'ancien hôpital, version 17e siècle. Ouf, mais c'est lourd. Et oui, hein, fallait être costaud là, pour être pharmacien. Il fallait écraser les...
Voilà, on écrasait tous les produits. Flacon d'origine encore rempli, étiquette toujours présente, tout est là pour se sentir mieux. À Mende, il y a aussi les incontournables, comme la cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat. Édifiée au-dessus du tombeau de l'ermite, sa construction est décidée en 1360 par Urbain V, un pape d'Avignon né en Lozère. Alors regarde Hélène, juste là-haut, dans le triangle, est-ce que tu vois le visage avec les grosses joues? Oui, je le vois. C'est Boré, le vent du Nord. Boré, ça te dit quelque chose peut-être? Ouais. Oui, aurore boréale. Eh oui, boréale, tout ce qui est en lien avec le Nord. Donc, on est ici sur la porte nord de la cathédrale et c'est par là qu'on va rentrer. D'accord. D'inspiration gothique, la nef est flanquée d'imposantes colonnes stylisées, autour desquelles on retrouve une douzaine de chapelles dédiées à de nombreux saints. L'édifice offre à la vénération des fidèles une Vierge noire qui suscite légendes et suppositions. Ah oui, elle est noire. Ah oui, le visage, il est bien noir. Est-ce que tu sais pourquoi ? Mais j'ai entendu dire que les Vierges noires venaient de Judée. Alors oui, la tradition, elle prétend que toutes les Vierges noires proviennent des croisades. Les dernières analyses qu'on a eues sur les quelques-unes qui ont été restaurées feraient plutôt penser qu'elles viennent du sud de l'Europe et qu'elles sont devenues noires à cause de la fumée des cierges. Mais les cierges, ça ne fait pas de la fumée noire. Hein. Alors, pas ceux-là, parce que ces cierges-là, ils ne font pas de fumée, mais à l'époque, c'était de la graisse de porc, c'était du suif, et donc ça faisait beaucoup de fumée, et ça a noirci par oxydation, et donc la peinture est devenue noire. Elle était blanche à l'origine. Ça paraît logique. Et voici donc levé le mystère de cette Vierge noire. Alors, regarde, tu as les 8 grandes tapisseries commandées par Monseigneur de Piancourt à Aubusson au tout début du 18e. Elles sont jolies, hein ? Elles sont belles, ouais. C'est magnifique. Des œuvres qui retracent les moments forts de la vie de Marie. Après ces pièces d'exception, Alexandre a une surprise pour Hélène. Oh, Hélène, tu le connais, ça ? Ah oui. C'est le battant de la non-pareille. Oui. La plus grande cloche du monde. Eh ben nous, on c'est va ça aller... Ah bon, je croyais que c'était la surprise. Non, c'est la surprise, c'est là. Je t'emmène dans le clocher. Ah, d'accord. Au XVIe siècle, la non-pareille était la plus grosse cloche d'Europe. En résonnant jusqu'à 15 km à la ronde, elle a largement contribué à la renommée de l'édifice. Avant sa destruction, elle était installée dans le plus décoré des deux clochers de cette cathédrale si particulière. En façade, deux tourelles asymétriques de hauteur et d'inspiration radicalement différentes se dressent comme pour signifier l'union de deux mondes. Allez Hélène, on y est. Ah, que je suis contente d'être arrivée. Quand j'étais petite, avec ma maîtresse, j'étais à l'école qui est en dessous. On montait souvent. Ah oui. J'avais une dizaine d'années. Et ça, ça me rappelle des souvenirs extraordinaires, c'est fabuleux. Alors, je sais pas si tu te souviens, mais on allait au café en bas chercher les clés pour monter au clocher. Je m'en souviens pas, non. Il y a même un monsieur qui était venu ici, il avait préparé des roses, un seau de champagne pour demander sa femme en mariage juste ici. Ah bon, c'est original quand même. Hein. Ah, mais c'est une belle idée, hein. Ah ouais. Puis alors, avec cette vue, regarde, hein. Donc cette vue sur la vallée du Lot qui s'ouvre à nous. Ah ouais, c'est magnifique. En Lozère, à chaque vallée correspond une histoire unique. Mais c'est aussi une terre au savoir-faire ancestral fortement lié à l'eau. À Langogne, à la filature des calcaires, Titouan attend Hélène avec impatience. J'ai un petit cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est ? Ben comme tu peux voir, c'est une manivelle. Ça sert à quoi ? Suis-moi, je vais te montrer tout de suite. Attention à la poutre. Hélène ignore qu'elle s'apprête à mettre en route le moteur de la filature. Alors Hélène, fais le tour de l'escalier. Oui. Et tu vas venir enclencher la clé que je viens de te remettre
sur la prise de la vanne. Et pour l'ouvrir, tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre. Parfait. Vas-y, Franco. C'est bon, Hélène, tu peux rentrer. Vieille de 500 ans, cette roue à aube actionnait la plus grosse meule à grains du village. Puis, à partir du 19e siècle, le bruissement de l'eau résonnait 24 heures sur 24 et la force hydraulique servait à la transformation du blé la nuit et permettait de travailler la laine le jour. Alors tu vois l'arbre au-dessus de nos têtes, eh bien, il permet d'actionner l'ensemble des machines de la filature. Et quant à lui, il est actionné grâce à la roue que tu viens d'ouvrir. À la grande roue d'un bon. Tout à fait. Ouais. D'accord. C'est beau, hein? Allez, je vais te faire travailler un petit peu. Oula. Mets-toi à l'arrière de la machine. Qu'est-ce que c'est, cette machine? Alors, c'est une cardeuse nappeuse. Ça va nous permettre de créer, en fait, une grande nappe de laine. Ah, super. T'es prête? Ah oui, oui, super. Allez, je te la mets en route. Ce que je vais te demander, c'est de te servir en laine dans le seau à côté de toi et tu viens l'éparpiller sur le tablier. N'hésite pas hein, à en mettre, n'hésite pas. Voilà, tu peux l'étaler sur la totalité. Et alors donc, cette étape de cardage que la machine nous fait, eh bien, tu le vois devant toi, des cylindres qui vont nous permettre en fait de venir démêler les fibres de laine qui justement sont entremêlées. Et tu vois, ça te rend ton produit beaucoup plus doux. Ces petits bouts de laine, ça va devenir comme une bobine de fil. Exactement. Hélène se laisse prendre au jeu des transformations successives. Et ce n'est pas une, mais trois cardeuses qu'elle va utiliser pour obtenir les premières bobines. À l'étage supérieur, Cécile est aux commandes du joyau de la filature. Notre apprentie fileuse arrive pour l'ultime étape. Cette machine, qu'est-ce que c'est? C'est la dernière mule génie de France, de 9 mètres de long sur 120 fusettes. Et ça sert à quoi? Ça va servir à filer le fil, ou plutôt le pré-fil que tu as réalisé en bas avec la troisième cardeuse. Et on va les filer avec cette machine-là. On va les torsader juste là, sur toute cette longueur. Ah, super. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Tu vois cette petite cale-là? Ouais. Tu peux la retirer, on la remettra après. On va d'abord coucher le fil qu'on vient de créer. Voilà. Tu es prête? Je suis prête. Allez, c'est parti. Conçue en Angleterre, un siècle avant son arrivée à Langogne, en 1850, la mule Jenny, cette fileuse bobineuse, fonctionne encore comme au premier jour. Pas mal. On vient de filer le fil. Bravo. Super. Alors, il est fin. Ah oui, il est fin. Trop fin, en fait, pour aller jusqu'au tricot, jusqu'à l'écheveau. Ouais. Donc, il va falloir le doubler avec une deuxième machine, l'assembleuse bobineuse, et enfin, le retordre avec la retordeuse moulineuse. Donc, après, je peux partir avec ma laine et aller tricoter mon pull vert pour l'hiver. Super. Ouais. L'hiver étant encore loin, c'est sans pull qu'Hélène va rejoindre Daniel au cœur du parc des Cévennes, sur les plateaux des Grands Causses. Ce féru d'archéologie est aussi un amoureux de son territoire. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a une vue. Ah, la vue! C'est magnifique! Une belle vue sur une partie du sud de la Lozère. Ouais. Donc ici, on est sur le mont Lozère et on voit au fond le mont Aigoual. Ouais. Daniel a des idées très précises sur les travaux manuels qu'exerçaient les hommes il y a 5000 ans. Ici, les préhistoriques sont venus, ils ont creusé, ils ont fait des bassins, des cupules. C'est creusé par la main de l'homme? Main de l'homme avec un caillou, quoi. Ah voilà. Ouais. Donc c'était pour faire descendre de l'eau, mais c'était de l'eau peut-être d'origine divine dans leurs esprits. D'accord, voilà. Pour les rituels et pour... C'est possible, mais on ne peut pas le prouver. Hein. Ouais. Ils en ont fait partout, ils en ont fait plus de 1000 dans tout ce secteur. Ouais. Et ici, un qui est très beau, et qui est là, donc qui est sur ce sommet là. Ça a dû être quand même assez difficile de faire ça en hauteur là. Donc là aussi, c'est des bassins, donc pour faire une fontaine durant la préhistoire. Donc on peut considérer que c'est une douche préhistorique. Ça, on peut considérer ce que tu veux. Hein. Effectivement,
le mystère reste entier. Associées à des pratiques rituelles ou non, les cupules sont bien la preuve d'une réelle présence humaine, datant probablement de l'ère néolithique. Mais pour Hélène, le plus surprenant reste à venir. À quelques kilomètres, sur le site préservé de la Chame des Bondons, se dressent fièrement des colosses de pierre venus d'un autre temps. Ah ouais, il est beau voilà, celui-là. Celui-là, c'est le plus grand. Combien il mesure? Il fait hauteur 5 mètres environ. Ouais. Et comme ils l'ont planté, on sait à peu près, ça doit descendre de 1,50 m de plus. Donc ça faisait 6 mètres. 6 mètres 50. Voilà, tu vois, voilà. Et on sait comment il faisait. Ouais. Donc le bas était vraiment très étroit, comme ça. Ouais. C'était pour pouvoir le planter en profondeur. Donc il y en a qui ont été tombés et qui ont été identifiés. C'était tous comme ça. Donc on sait qu'ils ont fait ça pour le positionner en profondeur. Les hommes préhistoriques ont placé ces statues de pierre sur les lignes de crête des monts environnants. Pour Daniel, il suivait surtout les points d'impact de la foudre, cherchant ainsi à attirer la bienveillance divine. Il y a pas mal de menhirs qui ont été donc découpés par les personnes des environs il y a plusieurs siècles pour fabriquer plein de maisons. Ah, parce ouais. qu'ils ne savaient pas à quoi ça servait. Donc pour eux, c'était plus facile de découper ça plutôt que d'aller en chercher dans les endroits où... Oui, puis ils l'avaient à portée de main, là. Voilà. Et donc, il y en a beaucoup qui ont disparu suite à ça. Dans cette partie du parc des Cévennes, on trouve plus de 150 menhirs sur moins de 10 km carrés. Il s'agit donc de la deuxième concentration de monolithes après les fameux alignements de Carnac. C'est au son de sa cabrette que Daniel rend hommage à ces terres de légende, comme pour faire résonner plus encore la beauté sauvage de ces paysages de Lozère.